Et qu'est-ce qu'avez-vous de ce match? Ce que j'ai ressenti, ce que je pense. Oui. C'est ça. Ouais, c'était un match pas facile parce que l'équipe adverse nous a attendus. Donc on devait faire le jeu. On avait joué il y a 3 jours, ce qui signifie que en plus c'était exactement le même 11, ce qui signifie qu'on savait qu'on pouvait tenir à haute intensité 70 minutes, mais qu'il y allait avoir des moments de fatigue, en plus avec la chaleur, puisqu'on a joué à 15h. Donc c'était surtout un match mental. Il fallait pas s'engueuler si on commence à rater des passes ou à tenter des choses, puisqu'on avait beaucoup de choses à créer, on devait faire des choses. Donc c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Bon, on devait mener rapidement au score, parce que dans les 10 premières minutes, il me semble qu'on a 3 occasions très nettes, très franches. Et quand tu marques pas rapidement dans ce genre de scénario, après ça devient frustrant, ça devient crispant. Donc là où ils ont été forts mentalement, c'est de trouver la solution au début de deuxième période, et après, avec la fatigue, d'arriver à gérer le score. Donc, très content, c'est un match bien géré, très mature. Merci. Sur le banc de touche, on ne voit pas votre coach assistant, Mohamed Ouadé. Est-ce qu'il va avancer avec l'équipe ou... C'est pas mon assistant. Bon, il était là avant que j'arrive, mais c'est pas mon assistant. Bon. Donc, vous avez cherché un autre. Ça, c'est pas intéressant comme question. Moi, j'ai des assistants sur le terrain, j'ai pas besoin d'avoir un coach adjoint.